les arrêter. Birmingham, cité industrielle connue pour abriter un foyer d'islamistes radicaux. Birmingham est une ville dans laquelle Mohamed Abouini y a permis la Raoul, deux des auteurs et complices de ce qu'il a connu, les accords. Oh, il est beau. Il est beau, Babou. Il est beau, Babou. Oh, qu'il est beau. Babou. 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 Oh, il est beau. Coucou. Allô? 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 Dans un instant, on reviendra sur les circonstances elles-mêmes de l'attentat, mais d'abord, donc, les victimes, trois morts, une femme et deux hommes, dont le policier avait essayé d'arrêter le terroriste, et puis 40 blessés, et parmi eux, vous le savez, trois lycéens de Concarneau. Ils faisaient partie d'un groupe d'environ 90 jeunes en voyage scolaire. Les trois élèves blessés sont hospitalisés à Saint-Thomas dans un état sérieux. Les morts ne seront pas en danger à Londres. Julien, au moment est la. Ils sont maintenant hors de danger. Les médecins s'inquiétaient du sort de deux des trois lycéens blessés, mais leur état a été stabilisé. Ils souffrent de multiples fractures, mais aussi de plaies. Ils sont encore en soins intensifs, mais ils pourraient quand même rapidement être transférés vers la France. Un de leurs hôpitaux est situé juste à côté du lieu du drame. Oh, il est beau, Babou. Babou. Un des élèves est interviewé juste après la tragédie. On voit ses camarades choqués. Coucou. Coucou. On a vu la voiture foncer sur nous et renverser trois enfants. Tard dans la nuit, les parents sont arrivés de Bretagne par avion spécial pour être le plus rapidement possible pour sauver leurs enfants. Ce que je peux vous dire, qu'il est beau. On a rencontré leurs enfants hospitalisés. Qu'il est beau. Ils sont arrivés au repas. Ouais. Ils retourneront. Oh, caco. Bisous. Bisous, bisous. Babou. Bonjour. Bonjour. Babou. T'as faim? Pourquoi tu ne me réponds pas? T'as faim? Oh, il est beau. On vient d'entendre Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères, a également participé à la session du Parlement britannique pour apporter le soutien de la France à la Grande-Bretagne. Julien Beaumont, vous êtes en direct avec nous devant l'hôpital Saint-Thomas. Leurs familles sont donc arrivées cette nuit. Elles sont avec les trois blessés en ce moment, Julien. Ah, tout à fait. En fait, ils sont arrivés vers 3h, ces familles. Ils ont été dissimulés sur les trois hôpitaux de la ville qui traitent les enfants seulement. Et vous en doutez bien, ils sont restés toute la nuit au chevet de leurs enfants. C'est normal. Nous avons Michel parlé tout à l'heure de maman qui nous expliquait que là, les jours que son enfant n'était plus en danger, mais t'es beau. Plus, on comprend aisément. Les trois classes de seconde du lycée Saint-Joseph étaient arrivées dimanche. Ça, c'est bah bon. Présent au sein du lycée Saint-Joseph. Et ces trois classes-là n'étaient pas ensemble au moment du drame. Une de ces classes repartait du Parlement. Elles marchaient sur ce pont quand ils ont vu arriver la voiture face à le foncer vers eux. Les élèves ont tout de suite porté assistance à ceux qui étaient blessés. Oh, toi, tu vas te faire sortir. Tous ont été évacués ici dans un hôtel à côté et devraient maintenant quitter Londres dans les prochaines heures. Merci, Julien. Les 90 lycéens devraient effectivement être rapatriés en Bretagne dans la journée. Ils étaient tous très choqués, mais on l'a vu. Très choqué aussi, bien sûr, toute la population de Concarneau et des lycéens qui sont encore là-bas dans le Finistère. Benoît Robert et Julien Bay. Le pas est lourd, le cœur est serré ce matin au moment de rentrer en classe. Les trois blessés, français et élèves de seconde dans ce lycée Saint-Joseph de Concarneau, sont dans toutes les têtes. Oh, il est beau. Babou. Bisous. Tu danses? Et tu danses? Une cellule psychologique a été mise en place et le proviseur du lycée a passé sa matinée à tenter d'informer et de rassurer les élèves, mais aussi certains parents. La fille indemne de cette femme fait partie du groupe de 92 élèves du lycée en voyage à Londres. Vous avez été en France en fait avec toi? Hier soir, mais depuis j'ai pas eu de nouvelles. Et vous avez eu de nouvelles? Ben, surtout
une inquiétude partagée par tous les habitants ici. L'ambiance est d'ailleurs bien morose ce matin. C'est un peu triste, la ville est un peu triste le matin. D'habitude, il y a plus d'activité le matin, mais là, ce matin, c'est un peu dur. C'est dommage parce qu'il faut que les gens bougent, il faut qu'ils continuent à sortir, parce que sinon, ça ne va pas le faire. L'émotion est d'autant plus grande ici à Concarneau qu'en 2015, une ancienne élève du même lycée Saint-Joseph était décédée lors de l'attentat du Bataclan. 3000 personnes s'étaient réunies quelques jours plus tard pour lui rendre hommage. Au-delà de l'inquiétude qu'il génère pour les 3 blessés à Londres, cet attentat ne fait donc que raviver de très mauvais souvenirs. C'est bien. C'est bien, Rachel. Sur l'identité du tueur, nous n'avons pas peur à faire redire devant les parlementaires, qui sont d'ailleurs restés confinés